Après un mois et demi d'hôpital et un traitement avec un cocktail d'antibiotiques à des doses de cheval, Bruno a remporté la bataille contre la pneumocystose. C'était la première alerte. La première maladie opportuniste qui avait pu se développer dans son corps parce que son système immunitaire s'épuisait à lutter en vain contre le virus du sida. Il avait eu beaucoup de chance. Beaucoup d'autres n'en avaient pas eu autant. Malheureusement, je connaissais certains d'entre eux. Le sida s'était immiscé dans la communauté gay. Ses victimes étaient de plus en plus nombreuses. Les copains tombaient comme des mouches.